Alors, Ludwig van Beethoven compose ce quatuor en fa mineur, Vienne, et sous les tirs des obus de l'armée napoléonienne. Abandonné dans sa maison en périphérie de Vienne, Beethoven, qui acclama naguère le général Bonaparte comme l'incarnation de l'idéal révolutionnaire, maudit le jour où l'idée lui est venue de dédier sa symphonie héroïque à ce fossoyeur de la Révolution. En octobre 1813, Leipzig, toute l'Europe, est en armes contre Napoléon. Russes, Prussiens, Anglais, Autrichiens et même le Suédois du général Bernadotte. Trois jours que la bataille fait rage. Un demi-million d'hommes s'entretuent. L'armée française est en difficulté. Elle bat en retraite. Les Alliés se lancent à sa poursuite. L'armée autrichienne doit passer par la Suisse. Le tsar Alexandre s'oppose à la violation du territoire suisse. Pourquoi ? Par le sentiment de reconnaissance envers son précepteur vaudois, Jean-François de la Harpe, son initiateur aux humanités. Obligé d'accepter le passage du Rhin à Bâle par l'armée autrichienne, le tsar Alexandre sauve au moins l'honneur de la Suisse en imposant une convention écrite, une sorte de capitulation de la Confédération qui entretient la fiction du libre consentement de la Suisse. Et c'est encore Ferdinand von Bubnau qui signe cette convention à Bâle. Là-dessus, Schwarzenberg, commandant en chef de l'armée autrichienne, fait appel aux Suisses en se présentant comme leur libérateur de Napoléon. Et le général suisse von Wattenwyl répond par un appel aux soldats suisses de se rendre sans résistance. Sans résistance. Les 20 000 hommes de la première colonne de l'armée autrichienne, sous les ordres de Bubnau, se mettent en mouvement pour traverser la Suisse à marche forcée avec l'ordre de libérer la Suisse de Napoléon. Omlouvám se, že nemluvím vaší řečí, ale myslím si, že jsme skutečně v čase, kdy se stal zázrak. Ferdinand Bubna-Littich byl náš strýc, můj strýc, ale před 200 lety, takže jsem ho neznala, ale žena vám mi je velmi blízká, i když jsem tady poprvé, protože máte jeho pasáž a dneska celá tato slavnost je vlastně díky našemu strýci. Chtěla jsem všem velice poděkovat, nebudu jej jmenovat, protože bych to popletla. Můžu přeložit? Ano, prosím. Madame Bubna, a l'impression que il s'est passé un miracle. Son arrière-arrière-oncle est décédé il y a 200 ans. Évidemment qu'elle ne le connaissait pas, mais peut-être qu'elle ne connaissait même pas cette histoire. Elle ne savait pas qu'il est citoyen d'honneur de Genève. Et même si c'est la première fois qu'elle est ici en visite, elle a l'impression que Genève lui est très proche. Elle remercie tous ceux, nous tous, et tous ceux qui sont là pour fêter son ancêtre, son arrière-arrière-arrière-oncle. Děkuji mnohokrát, že jste všichni přišli. Myslím, že kdyby tady byl můj strýc Ferdinand Bubna-Littich, tak by měl velkou radost. Takže děkuji i za ní. Madame Bubna remercie et pense que si son oncle était là, ça lui ferait grand plaisir de vous voir tous dans la salle. Et moi, j'ajoute que j'espère qu'il sera quand même son esprit sera quand même un tout petit peu là à travers notre spectacle.
et peut-être qu'il va s'incarner dans Jean-Luc Bidault, ex-sociétaire de la Comédie française. Voilà. Avec l'ancien syndic Ami Lulin en tête, se met en rapport avec le général Boubna, dont l'armée vient de quitter Lausanne. Ah, Ami Lulin, avec un talent diplomatique que l'on ne saurait trop mettre en valeur, je cite le dictionnaire militaire de la Suisse, volume 4. Le comité obtient du général un sursis au siège préparé et la promesse de l'indépendance à deux conditions. 1. Que les troupes françaises se retirent. 2. Que Genève se charge de cantonner ses hommes. Lourde charge pour la population, car l'habitant doit non seulement loger, mais aussi nourrir le soldat. On espère que le régiment de Bohème du général Boubna ne fera qu'un passage éclair. Le lendemain, avec l'autorisation de Boubna, le gouvernement genevois s'autoproclame. Et c'est ainsi qu'au petit matin du 30 décembre 1813, après quelques ultimes nuits d'angoisse, puis ce sont des escadrons nombreux, des dragons vêtus de blanc qui défilent, des cuirassiers bardés d'acier d'or, des hussards de toutes couleurs, vert, gris, bleu, jaune, dont les 400 hussards rouges de la Légion allemande qu'accompagnent une renommée de férocité effroyable, effroyable, mon cher Bill, avec leurs petits yeux de brigands dans leur trône d'assassins. Reichert, l'infanterie ne le cède en rien. Elle s'avance, puissante et massive, toute blanche, du col au genou, la baïonnette au fusil et le havresac dans le dos. La coiffure des plus bizarres, d'extraordinaires chapeaux en forme de mitre, garnis par devant de fourrure et par derrière de branches de feuillage. Les officiers ont la taille sainte d'une écharpe de soie jaune. Ils crient continuellement d'une voix cinglante. Et les lignes de mitre se suivent. Au bataillon blanc succèdent de nouveaux bataillons blancs. Et dans tout ce blanc tranchent seuls les parements et les troussis. Leclerc, un régiment hongrois passe tout rouge. Puis de ces deux rechefs des habits blancs. La porte qu'on avait en engendre interminablement. Comment Genève pourra-t-elle absorber cette invasion? Et au milieu d'un vide impressionnant, dans une escorte de cavaliers bizarres, terriblement moustachus, jaunes et sauvages, tout hérissé de fusils, de pistolets, de grands sabres courbés à la turque, et qui, dit-on, sont des cosaques, s'avance sur une magnifique bête pie, le commandant de l'avant-garde des hautes puissances alliées, le général Feldmaréchal von Boubna. Il chevauche, froid et soupçonneux, l'œil scrutant la double rangée des hautes maisons et les files des bourgeois au port d'armes. Sur la courbe de son menton puissant, de courts favoris noirs arrêtent leurs pattes épaisses, d'énormes mèches de chevelu débordent du bicorne et viennent presque couvrir le sourcil. Sous le grand manteau blanc, l'habit vert foncé se constelle d'étoiles, de plaques et de croix, et un panache vert clair domine le chapeau largement galonné d'or. À sa vue, des cris partent de la foule jusque-là, muette. Vive les alliés! Vive notre libérateur! Avec les jours qui passent, c'est surtout l'appétit effroyable de ces hôtes qui sidèrent
les Genevois et les Genevoises, avec un étonnement toujours grandissant, ils découvrent l'immense capacité dévoratrice de ces Ostrogoths, comme ils les appellent. La profusion de leur goût et l'étrangeté de la gastronomie. L'entretien de ces estomacs d'Autriche. De ces estomacs d'Autriche. Un jeu de mots qui fait fureur. Va revenir bien plus cher que les impôts perçus par Napoléon. L'urgence s'impose à réparer les fortifications. Bobna demande de l'argent, des hommes, mais le gouvernement genevois refuse toute nouvelle imposition et réquisition. Alors, considérant dorénavant Genève comme un pays conquis, Bobna donne l'ordre de réquisitionner tous les canons et munitions et de les envoyer à Vienne, comme butin de guerre. Entre-temps, à la fin du mois de février 1814, Napoléon donne l'ordre d'attaquer Genève. Putain. Les Français reprennent le fort de l'Écluse. Les combats se déroulent à Archan, à Saint-Julien, à Carouge. Les Genevois, tassés à la treille, observent les combats à la jumelle. On redoute la vengeance de l'empereur et on se demande « Genève sera-t-elle bombardée ?» Et Bobna, qui croyait ses canons en sécurité à Chafouz, c'était sans compter avec le lieutenant de chasseurs, directeur des arsenaux genevois, Joseph Pinon. Présent. Si le départ des canons déplaisait aux Genevois, pour le lieutenant Pinon, l'absence des canons, c'était une chose intolérable. Une absence déchirante qui lui brisait le cœur. Affirmatif. Si bien que quand un officier autrichien arrive à Genève, avec en réponse à la lettre de l'Oléance l'ordre de restituer les canons frappés aux armes genevoises partout où elles se trouvent, le lieutenant Pinon, mandaté par le gouvernement, se met en marche avec une seule idée fixe. Rendre les canons à Genève. Rompez ! Allez voir le général de cavalerie Hesse-Homburg. Il a traversé la Suisse avec Bobna. Il a un excellent souvenir de Genève. Mais Hesse-Homburg est déjà remplacé par le lieutenant-général baron von Prochaska, qui, contrairement au général Hesse-Homburg, n'aime pas les Genevois. Ne m'embêtez pas, Pinon, avec cette ridicule affaire de canon. C'est des pièces françaises et de bonne prise. Pinon sort inventaire et reçu, patient, têtu. Et voilà que le baron von Prochaska change d'avis. Ah, mais je vous ai méconnu, lieutenant Pinon. Vous êtes un honnête homme. Vous pouvez compter sur moi, il m'a dit. Et il envoie de ce pas son aide de camp à Chafouz. Une fois à Chafouz... Plus de canon, parti à Ulm. Oh les salauds! Une semaine plus tard, Pinon reçoit une invitation. L'office du grand chambellan... L'office du grand chambellan a l'honneur de prévenir monsieur le colonel Pinon que sa majesté l'empereur l'admette à son audience dimanche prochain à Schönbrunn. À 10h du matin. Alors, il part le dimanche pour Schönbrunn. On l'introduit dans l'antichambre au milieu des princes, généraux, archevêques et évêques en grand costume. Est-ce qu'il faisait bien ressortir notre simple uniforme genevois? Après 2 heures de patience, on l'appelle. Der Oberst von Pinon. Présent.
Que venez-vous demander, monsieur ? Demande l'empereur à Pinon. Presque au même moment, Ludwig van Beethoven donne un concert au profit des soldats blessés à la bataille de Hanau. La première fois, on entendra sa 7e symphonie qui célèbre le triomphe de l'héroïsme. Le triomphe de l'héroïsme, malgré tout, malgré toutes les turpitudes de son époque, Beethoven reste optimiste. Et sa foi en l'homme est inébranlable. Ce qui nous permet de clore cette soirée sur une note optimiste. Sauvages de Brut d'Ostrogoth, jamais rassasiés, sont toujours là. Rendez-nous les canons. Vous êtes de la merde dans un bas de soie.